522, c'est le radier. Oui, c'est la transformation, tout ça. Oui, Jean-Jacques Thévenard, je suis archéologue, j'en charge ce chantier de fouilles archéologiques sur Saint-Quentin. En fait, sur ce secteur qui se situe donc aux abords de la basilique, tous les vestiges apparaissent à faible profondeur, dès 15-30 cm de profondeur, puisque c'est un secteur qui a été intensément bombardé en 1917 par les Alliés, donc les Anglais. Et la ville, dans les années 20, avait fait le choix de dégager au maximum les abords de la basilique pour créer, à cet endroit précis, un vaste square. À l'avant de la basilique, ils ont créé une zone de stationnement et puis un parvis. Et ce moment-là a été aussi l'occasion de créer deux rues qui sont d'importance dans le Saint-Quentin d'aujourd'hui, donc la rue Adrien-Nordet et la rue de Lyon. Dans ce secteur particulier, on a des vestiges, en fait, depuis l'époque gallo-romaine jusqu'en 1917. Et l'une des surprises a été de découvrir, dans la partie basse du site, on a trouvé une série de tombes qui remontent à la période mérovingienne, donc 6e, 7e siècle. Et c'est un secteur qui, par la suite, a été intensément occupé par les religieux, donc les chanoines affectés au culte de Saint-Quentin, dont la basilique se trouve juste à l'arrière. Et c'est un secteur qui a également été occupé par les comtes du Vermandois. Donc les comtes du Vermandois avaient leur résidence qui a été occupée jusqu'en 1212. Et au décès de la dernière comtesse du Vermandois, cette résidence va tomber dans le domaine royal et le roi va s'en débarrasser et le recéder à nouveau à la ville de Saint-Quentin qui va y installer ses halles à la graisse et à l'eau-poix en 1292. Et après, ce sont des éléments qui ont vécu et qui ont été sans cesse réutilisés, transformés jusqu'à la Révolution, puis la Première Guerre mondiale. Alors, je m'appelle Cyril De Bruyne, je suis responsable adjoint sur l'ensemble des fouilles autour de la basilique de Saint-Quentin pour cette année et l'année prochaine, sous la direction de Jean-Jacques Thévenard. Alors, sur cette zone-ci, la zone, ce qu'on appelle la zone 3B Sud, nous avons commencé le 2 mai. Nous finissons la dernière semaine d'août avant de commencer une autre zone au pied de la basilique. Mais nous avons commencé l'ensemble de l'opération le 14 mars et nous avons commencé par la zone 1 et 2 qui sont respectivement devant le porche de la basilique et la rue du Labon qui est derrière la basilique. En ce moment on tourne à 9 à 10 personnes mais on est monté il y a 2 mois jusqu'à 19 personnes sur cette zone là. Alors moi c'est Isabelle Gaudry, je suis responsable de secteur sur le chantier de Saint-Quentin Basilique. Et du coup je suis là pour assister Jean-Jacques et Cyril pour gérer l'équipe et répartir un peu les tâches en gros sur le chantier, sur l'étendue du chantier et pour tout ce qui est enregistrement des données découvertes au fur et à mesure de l'avancement de la fouille. Ce matin j'étais sur cette zone-ci. Où du coup, ici, on est sur une succession de maçonneries et de fondations qui sont encore au-dessus d'autres couches qu'on n'a pas encore bien déterminées en termes de niveau de sol. La mission, c'était de tout nettoyer pour bien mettre à jour les successions stratigraphiques qu'on peut avoir devant nous. Et du coup, là, après, on allait intervenir pour justement refaire des sondages, essayer de trouver des explications et des successions correctes entre les niveaux qu'on a relevés ce matin et qu'on peut voir là, encore. En fait, sur ce chantier, on a la chance de pouvoir travailler de façon assez rapprochée avec le service patrimoine de la ville de Saint-Quentin. On essaye de rendre un maximum d'informations vers le grand public. Et dans ce cadre-là, on a pu organiser quelques visites. Donc il y a vraiment un souhait de découverte et de connaissance de ce secteur pour les Saint-Quentinois, quel que soit leur âge. Qu'est-ce qu'on a fait avec le sol ? On a creusé. Et on a fait une recherche archéologique. Mais c'est trop bien, mais je suis trop heureuse d'entendre des choses pareilles, c'est super. Donc ce projet a lieu dans le cadre de l'été culturel, qui est un dispositif qui est financé par la DRAC des Hauts-de-France. Donc nous, ici à Saint-Quentin, on fait en fait un projet de valorisation du chantier de fouilles archéologiques. Le principe, c'est donc de faire découvrir ce que c'est que l'archéologie, ce chantier, pourquoi il est là et à quoi il sert et qu'est-ce qu'on peut découvrir et comment on peut en apprendre plus sur l'histoire de la basilique, tant aux petits qu'aux personnes plus âgées et aux familles.
Ça aide vraiment aux différents publics de prendre connaissance du chantier de fouilles. On se rend compte que les personnes sont tout le temps en demande, les riverains, les cinquantinois et d'autres personnes en fait, qui viennent de plus loin dans la région sont tout le temps en demande d'en savoir plus sur le chantier. Voilà, parce que c'est aussi, y a un côté vraiment, une sorte de sentiment d'appartenance en fait, dans le sens où on est finalement dans l'espace public, donc ça appartient vraiment à tout le monde. Je pense que ça aide vraiment à une meilleure reconnaissance du travail des archéologues, du travail de la direction du patrimoine et aussi une meilleure adhésion des publics, en fait, de tous les publics, des riverains, des commerçants, une meilleure adhésion au projet et à la durée de ce chantier de fouilles archéologiques. À chaque fois, vous faites des fouilles quand vous faites des travaux dans la ville ou... C'est une obligation. Ah, c'est une obligation. C'est une obligation. C'est une... D'ailleurs, dans certains villages, vous êtes aussi dans une obligation d'avoir ce qu'on appelle d'avoir un pré-sondage. Là, on est sur un milieu qui a vécu, qui a eu une vie depuis l'Antiquité. Et c'est intéressant. Donc, toutes les photos, toutes les archives, tout ce qu'on fait en ce moment, ça va être conservé. C'est qu'aujourd'hui, on fait très attention à ce qu'il y avait avant. On fait des recherches. C'est pour ça que vous rencontrerez peut-être un petit peu les archéologues pour avoir un travail scientifique. C'est-à-dire qu'on va chercher à dater, à raconter et trouver le récit de ce qui s'est passé tout autour de la basilique, et c'est ce qui est intéressant. Ici, il y a 1 hectare de terrain qui vont être réaménagés par la ville. Il va le recréer des aires de passage, des aires de circulation piétonne, mais aussi automobile autour de la basilique. Et donc, ce qui fait le caractère un peu unique et exceptionnel de notre chantier, c'est qu'en fait, on va travailler sur une surface de 10 000 m². On va travailler tout autour de la basilique. Donc, 10 000 m², travailler sur 10 000 m² auprès d'un bâtiment historique de cette importance, c'est un phénomène très rare dans l'archéologie contemporaine. Elle est bête. Il y a des dinosaures. Il y a des dinosaures. Non, des dinosaures. Madame, je dirais un four à pizza là-bas. Qu'est-ce que tu avais pour un four à pizza? Quand même, tu dirais un four à pizza. On peut retrouver des colliers. Il y a eu des poteries de retrouver. Ah, oh, bah de l'or, bien entendu qu'on trouve de l'or. Mais pas à la peine, hein, quand même. Ça, on l'a trouvé? Non. Oui, on a trouvé beaucoup de squelettes aussi. Et des crânes. Oui, il y avait des crânes. En fait, là, t'as le crâne. Les orbites, ils devaient être ici. Tu vois les sutures crâniennes ici. Pourquoi il y avait des squelettes en sable? Bah parce que avant, on enterrait souvent les défunts tout près des lieux de culte. Là, on avait une église, donc ils étaient enterrés tout près du lieu de culte. Même dans les églises, on enterrait éventuellement certaines personnes. Hein, c'est voilà. Normal alors? C'était normal, oui. C'était pas des... On n'avait pas enterré des gens qu'on... Quand ils voient les fouilles, ils les voient en vrai. Il y a tout l'environnement autour. Il y a les voitures, il y a les gens qui passent, il y a les maisons autour. Donc c'est un lieu qui vit. Nous, en tant que guides, c'est ce qu'on aime beaucoup, que les enfants découvrent leur ville. Parce qu'après, ils en parlent à leurs parents. Voilà, c'est... Je trouve que pour moi, ça, c'est important. Ils connaissent leur ville, un petit peu l'histoire, voilà, qu'ils arrangent parfois à leur façon, mais c'est pas grave. Au 19e siècle, on faisait déjà des fouilles.
qu'on a trouvé beaucoup de nécropoles un peu partout. Mais ce sont des fouilles qui n'étaient pas comme les nôtres, n'obéissaient pas aux mêmes règles aujourd'hui. Tout ça, c'est quand il y a un chantier de fouilles, c'est dans les mains de l'INRAP. Hein, personne d'autre n'a le droit de. C'est eux qui sont spécialisés, puisque alors, il y a ceux qui s'occupent des ossements, il y a ceux qui s'occupent des objets, il y a ceux qui s'occupent du terrain, des pollens, enfin tout un tas de choses. Chacun s'est spécialisé. Bon, à l'époque, c'était beaucoup moins, on avait beaucoup moins de connaissances, donc ça allait beaucoup plus vite. À l'époque, ce qui importait, ben, c'était ce qu'il y avait dans les tombes. Donc on creusait, on ramassait tout ce qu'il y avait dans les tombes. Et alors, il y avait certains archéologues, entre guillemets, qui n'étaient pas non plus des vertus de, pour la science, et qui se dépêchaient de revendre tout aussi tout ce qu'ils avaient trouvé, surtout les plus belles pièces, bien entendu. Alors, le plus surpris, c'est là derrière, c'est la verrerie. Gallo-Romaine. Je me demande comment ils ont pu faire, avec les moyens qu'ils avaient, tout ce qu'il y a derrière que sensationnel. Ah ben c'est l'événement d'aller voir les fouilles avec le CCAS qui nous a fait venir ici, comme beaucoup je pense, parce que beaucoup ont été étonnés. Ah ben oui, on passait, on voyait les plaques, mais on ne savait pas ce que c'était exactement. Ah ouais. Non, mais vraiment très très agréablement surpris. Au moment de la Grande Guerre, la société académique était fermée. On était obligé à l'époque, de planquer un petit peu tout ce qu'on avait, parce que sinon les Allemands, ils raflaient tout, hein, ils ne se gênaient pas. Et donc tout ça a été repris après. Bonjour les garçons. Je suis Victorien de la direction du patrimoine. Aujourd'hui, on vous a missionné pour l'enquête d'archéologie. Vous êtes des enquêteurs, vous avez chacun un livret et un crayon pour mener votre enquête. Le jeu, il va se dérouler donc en 5 étapes. Donc ce mercredi 17 août, on organisait la mission Archéo. C'est un jeu de piste proposé pour un public jeunesse principalement. On accueillait donc une centaine de participants au pied de l'hôtel de ville de Saint-Quentin pour un parcours en 5 étapes dans le centre-ville sur le thème de l'archéologie. Pour le scénario, il y a eu un cambriolage qui a eu lieu sur le chantier de fouilles à proximité de la basilique et les participants qui deviennent des enquêteurs le temps d'une journée sont invités donc à nous aider pour résoudre cette enquête, retrouver les objets volés et le voleur. Le deuxième indice, il faut absolument trouver une date. Une date. Mais la date, je vous la donnerai une fois que vous aurez reconstitué le puzzle. Ah. Oui, mais c'est pas dans le nom. Trois non propres. Donc, ça peut faire. Alors, pas n'importe lesquels, ils sont situés sur les feuilles indices. Pour le public, que ce soit pour les jeunes ou les familles, c'est une façon originale et nouvelle de découvrir le patrimoine. D'abord pour les jeunes, je pense principalement à la Société Académique par exemple, ou au musée Antoine Lécuyer, qui sont des lieux de patrimoine et de culture qui sont parfois un peu méconnus. Donc c'est une façon pour eux de les amener dans ces lieux à travers cette mission. Mais en fait, derrière, voilà, il y a ce décor, cet espace de patrimoine qu'ils peuvent découvrir le temps de l'activité. Là. Ah, c'est ici, c'est ici. Bah oui. D'accord. Parce qu'il y a une petite affiche. 1304, non ? Si, c'est ça, du collier. Et puis donc, votre mission, hein, ça va être, avec les cartels, de retrouver les photographies qui correspondent. Et avec ces photographies, de les situer dans les vitrines, là, là ou là, et de déposer à chaque fois ces cartels sur les objets qui correspondent. Ah, il est là. Voilà, c'est celle qui est ici, voilà, hein, ça c'est la photographie, tu vois, en forme de serpent. Et c'est également ça, ce symbole-là, c'est également ce qu'on appelle un symbole solaire, hein, les anciennes religions.
signe de confiance et que vous avez réussi à ouvrir la malle. Je vous félicite, mais vous méritez à présent des explications. Je suis Jules. Toi, j'avais raison. Piloir, un archéologue passionné. La semaine dernière, monsieur... Le Leroy, le célèbre pilleur de tombes, est arrivé à 50 ans. La validation, le petit carnet, et la pierre de tête de ville, le pavé de la basilique, la tête d'accord. De contact. Merci à toi. Parfait. On parle. Le petit livret. Raconte-moi l'archéologie. Moi qui trouvais pas intéressant l'histoire, en fait, c'est pas la même chose, mais c'est intéressant quand même parce qu'on peut apprendre ce qui s'est passé avant nous, ce qui s'est passé dans notre monde avant qu'on existe, quoi, donc c'est bien. On va faire comme les archéologues et on va rechercher à quoi sert chaque objet. Ok ? Alors déjà, vous pouvez commencer par écrire la date. Vous savez quel jour on est aujourd'hui ? Ça a été pris par photo ? Oui. En 2020. Pour le jeune public, c'est vraiment important de les faire participer, de créer des actions qui leur permettent d'être acteurs, des actions qui vont être interactives. Pour eux, c'est aussi plus simple, ça permet plus facilement de leur faire comprendre les enjeux. Et je pense que ça peut aussi valoir pour les adultes. On a d'ailleurs pu le voir lors des journées de l'archéologie. On avait mis en place un micro-chantier de fouilles pour les enfants et finalement, les parents avaient tendance à vouloir aussi participer. Ça permet de mieux comprendre, de pratiquer par soi-même et peut-être de mieux retenir que simplement en écoutant quelqu'un qui donne des explications. Ce qui peut avoir un côté un petit peu scolaire. Là, on est aussi sur quelque chose de ludique, de pédagogique et qui permet aussi de s'amuser en apprenant. Et vous allez pouvoir aller dans ces grandes caisses chercher autre chose que des murs, parce qu'il y a des choses plus petites. On a dessiné par terre dans ce champ d'archéologie des croix. Et on a fait des croix pour pouvoir chacun chercher dans un petit endroit. On apprend tous les jours quelque chose aux enfants. Je pense que c'est les petites pierres qui se superposent et qui font l'adulte de demain. Aujourd'hui, ça sera peut-être important. Demain, il va s'en souvenir beaucoup mieux. Et rajouter à d'autres connaissances. Et en fait, c'est un ensemble. En fait, tous les jours, c'est un petit mur, une petite brique d'un grand mur. Voilà. L'idée, c'est que vous pouvez jouer aux anthropologues. Vous savez ce que c'est qu'un anthropologue ? Non. Chantal, elle vous l'a dit. Ah, on en a parlé tout à l'heure. Il fait quoi, l'anthropologue ? Étudie les squelettes, en effet. Découvrir les métiers de l'archéologie, ça peut leur permettre plus tard d'avoir envie de devenir archéologue. Ça peut leur permettre aussi de comprendre pourquoi on fait des fouilles, quelle est l'importance de faire des fouilles, d'en parler aussi avec leurs parents par la suite, et de comprendre aussi l'importance de conserver le patrimoine, de faire des recherches. Oui, c'est toujours très intéressant de découvrir, de connaître la façon dont on découvre les choses. C'est passionnant, c'est passionnant. Bon voilà, la basilique reste quand même un lieu à part entière et au-delà de l'aspect religieux, on découvre quand même plein de choses. J'ai découvert plein de petites chapelles que je ne connaissais pas. Bien sûr, ça leur apprend l'histoire de la ville aussi, il faut connaître, c'est très important de connaître l'histoire de la ville. Les archéologues font du très gros travail ici sur la ville déjà et puis dans le monde aussi. Pour les recherches culturelles, c'est très important, c'est enrichissant.